Mock, c'est de ça qu'on va parler principalement aujourd'hui. Mock a l'air d'être un gros brand. T'as des studios, t'as des artistes, t'as du linge, design, créatif. C'est juste l'effort de plusieurs années. J'ai toujours été quelqu'un animé par le domaine du show business qu'on appelait avant. Et pour moi, aujourd'hui, juste vivre créativement. T'sais, moi, j'ai jamais trouvé que je fitais vraiment dans le paysage parce que j'avais une vision plus grande. Du coup, je veux faire briller Montréal à l'international. Il n'y a aucune raison que ça ne brille pas à l'international, Montréal, pour maintenant. On a autant de talents français que de talents anglais ici. Pour moi, ce qui a été fait avec Céline Dion doit juste être fait avec plein de gens. Là. On est en 2021. Ce soir, on a enregistré une chanson qui s'appelait Parachute. J'ai commencé à jouer, synthétiseur. Il faut compter, c'est parce qu'il m'est arrivé le matin, il m'a dit qu'il avait rêvé qu'il atterrissait en parachute. Ouais, il commence à glotter sur les choses. J'aime ce qu'il fait, je dis on va appeler ça parachute. C'est parti de même. Puis, puisque je viens justement, lui, c'est. Il y a beaucoup de visions différentes qui essayent de tout faire matcher les unes avec les autres. Puis, c'est ça qu'on est en train de faire avec le côté technologique, c'est que tout devienne un seul ensemble, puis que tout le monde puisse comprendre bien c'est quoi qui se passe en l'instant, peut-être 5, 10, 20 minutes.